Ce jeu, si vous connaissez pas, il a fait pas mal polémique. Vous connaissez sans doute Ark, le jeu de dinosaures, qui est un peu loufoque, on peut pas se le cacher, qui est un peu loufoque, le développement était compliqué, la communauté a adoré le jeu au début, puis après a détesté. Et ben, il faut savoir que cette équipe qui travaillait sur Ark, travaillait aussi sur Atlas, ce qui aurait dû être Ark, en fait. C'est une sorte de jeu de piraterie, mais extrêmement travaillé. Vous faites votre bateau, vous faites votre ville, vous faites... Il y a aussi des monstres, pas des dinosaures, mais des monstres qui s'apparentent un peu à des dinosaures, on va se le cacher. On voit clairement que c'est du Ark. Je suis extrêmement fier d'avoir reçu une clé pour Atlas. On va donc découvrir ça ensemble. Donc c'est parti, je ne connais rien au jeu. Nous allons partir sur un serveur PVE. Je préfère éviter clairement le PVP hein, parce que voilà quoi. Donc là on arrive sur le serveur qui comporte des petits serveurs en lui. Donc qui vont jusqu'à 150 joueurs par case. On peut pas aller sur toutes les cases, j'ai l'impression. Il y a des serveurs qui sont... Il y a des cases qui sont là depuis 20 jours, 21 jours. On va lancer un... Peut-être un truc assez récent en termes de jours. Non, je ne sais pas. 20 jours, c'est pas trop mal. 19 jours, 24 jours. On va prendre celui-ci qui a 21 jours. Il reste 60 places, on le rejoint. Du trailer, ça avait l'air compliqué. On aurait dit il y avait des batailles navales. C'était bordélique. Faut pas se le cacher, c'était assez bordélique, quoi, le trailer. Nous allons donc créer notre personnage. C'est intéressant, Razier, fait ternir les cheveux en blanc, d'accord. La corpulence. Oula. Attendez, on peut dézoomer. Oula. Ouais, c'est comme Ark. Vraiment, même la création de personnage, c'est comme Ark. Non, on est plutôt maigre, quoi. On va mettre une corpulence normale, quoi. Peut-être pas autant de muscles. Mais un peu quand même, parce que c'est un pirate et voilà, quoi. Ah, la longueur des cheveux. Ok, les cheveux vont pousser donc tout seul, petit à petit. On va mettre quand même des cheveux assez longs. La personnalisation est plutôt bien foutue. Je crois que dans Ark, elle était un peu plus complexe. Ça, c'est bon. Maintenant, on va passer au corps. Ah oui, après, bah, les trucs de Ark, quoi. Oui, je vois. On va laisser de base, je pense. J'ai pas envie de partir sur les trucs chelous. Le prénom, Ness Fox. Et le nom de famille, Bola. On peut dessiner des tatouages si on veut, mais on va peut-être éviter. C'est pas que mon talent de dessin est mauvais, mais quand même un petit peu. Ok, je commence dans l'eau. Au revoir la musique, il y a un truc qui vole, c'est pas normal. On dit c'est Ark. Attendez, je suis impressé quand même que je suis en... Puis... je suis impressé que je suis en qualité ultra. Fuitaras, parce que je sais pas ce que c'est que ça. Hein. Mais c'est extrêmement moche. Je vous jure qu'on est en qualité max. Faut peut-être que les textures chargent. On va voir, ça a chargé. Pourquoi j'ai un F2 qui clignote? Pourquoi je danse? Arrête de danser. Et je me fais attaquer par un truc. Arrête de construire, je sais pas ce que tu fais. Puis Taras, là, j'arrive. Attendez, j'ai spawn dans l'eau. Il y a un feu. On va aller au niveau du feu. Sûrement notre joueur. Après, on est sur un serveur PVE. Il me suit l'enfoiré. Ouais, on va essayer d'aller au niveau du feu. On est sur un early, je crois. Un early access. Je ne peux pas reculer. Je n'ai pas configuré la touche pour reculer. Ce qui veut dire qu'en fait, le jeu est pas totalement terminé, quoi. Il y a écrit pour cacher la HUD, appuyer sur barre d'espace. Ah ouais, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a un milliard. Mais c'est le 93 où je débarque ou comment ça se passe? Dès que je... Oula, j'ai des rollbacks. Donc oui, le jeu est en early access. Il est techniquement même pas encore en early access au moment où je fais cette vidéo. J'ai contacté les développeurs. Enfin, je n'ai pas contacté les développeurs. J'ai juste demandé si je pouvais avoir une clé pour tourner dessus. Ils m'ont dit ok. Le jeu sort, je crois, en early access, genre dans 2-3 jours. C'est pas foufou. Si vous pouviez faire dégager, genre juste comme ça, hein, je dis ça gentiment, mais juste si vous pouvez faire dégager les textes, merci. Ah ok, c'est pour dire ce territoire est à moi. Non, c'est bon. Non, sans façon, je vous avoue que ça m'intéresse pas. On va regarder un petit peu parce que c'est vrai que je suis parti. J'ai une barre d'XP, de soif, de faim, d'endurance. Bah, c'est tout comme Ark. J'ai un chiffre en bas à droite qui descend, je sais pas ce que c'est, qui écrit XP. Alors, et si j'appuie sur F2, je danse. Ok, les mecs ont pensé quand même, ils ont pas fini le jeu, mais ils ont quand même pensé à, oh, on va faire comme une danse, attendez, une danse, c'est important les danses. Bon, au pire, si c'est comme Ark, je me fais mal, je me fais très mal. Ah, je loot quand même du bois, je viens de voir que je lootais quand même du bois. Voyons voir, l'inventaire. Ah, c'est tellement comme Ark, et ça c'est la carte actuelle. On est sur cette île, je dois être là, ce qui veut dire que je ne sais pas du tout par où aller, donc écoutez, tant pis. Non, moi je suis assez... mitigé sur ce jeu parce que je me dis putain les mecs qui ont acheté Ark quoi, ils auraient aimé peut-être un Ark comme ça, fini comme ça, et j'ai chopé quelque chose ou pas? Et au final ils l'auront jamais. Ouais, je chope des trucs. Je peux quand même casser des pierres à main nue. Crafting, comment on craft? Ah non, c'est objet crafté ici je suppose. Les skills je pense pas hein. Ah si, c'est ça, mais j'ai pas de points de skill en fait. Faudrait que je tue des... Ok, faudrait que je tue quelques créatures, je pense, pour gagner des points de skill. Une chèvre, ça va. Eh, la chèvre elle va pas me défoncer quand même, la chèvre. Alors, c'est un combat palpitant avec un cadavre qui part, mais niveau XP, je sais pas vraiment si j'en ai eu en fait. On va essayer d'en
trouver un autre. J'ai pas fait attention s'il m'avait vraiment donné de l'XP ou pas. De toute façon, faut qu'on trouve des joueurs, une civilisation, je ne sais quoi, parce que là, on est paumé. Je tourne à 50 FPS, hein, pour ceux qui demandent. J'ai une 1080 Ti, un i7-7700K. Ok, les créatures s'attaquent entre elles. Ah non, il y a quelqu'un. Alors, effectivement, il y a un joueur qui a l'air d'avoir des items. Mais qui se fait emmerder par deux... What the fuck? Il est complètement pété, votre jeu. Je dis ça, mais en vrai, il a été annoncé et il est sorti, mais tellement peu de temps. Genre, il a été annoncé, genre, il y a quoi, il y a 2 semaines. Paf, on te sort un early access. C'est pas dégueu. D'or, c'est ça? Je peux rien faire. Après, on est sur un serveur PVP. Hein. PVE. Bon, s'il y a des joueurs qui ont des vêtements et tout, ils auront peut-être des habitations, parce que c'est actuellement ce que je cherche. Je cherche une civilisation... Ça va. Putain, c'est un loup niveau 28, je suis même pas niveau 2. Mais en fait, ouais, ce jeu qui est Atlas, en y jouant, j'ai plus l'impression d'y voir une sorte de arc thématique à la piraterie qu'un arc, tout simplement. Ah, je devais être en combat pour qu'il y ait une musique qui se lance comme ça. Putain, mais attendez, ça, c'est dans Arc, ça. Putain, mais oui, c'est dans Arc. Vous avez même repris des codes de choses qui sont dans Arc. Vous êtes sérieux? Bon, en tout cas, j'ai pris un niveau, on va regarder ça après. On va faire chier le loup. Quoi? Oh putain, j'ai plus de stamina. Après, c'est la tortue qui est contre moi, ça va, il y a pire. Il y a un milliard de créatures au mètre carré là, c'est pas possible. En fait, si vous vous souvenez des tout premiers trailers de Arc, je crois, il y avait genre une forteresse où il y avait un T-Rex qui l'attaquait et tout, puis tout le monde se mettait à attaquer le T-Rex, enfin, c'était impressionnant. Et je pense que et au final, je pense pas que Arc ait réussi à atteindre un tel niveau de détails et d'interaction possible. Donc j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Atlas. En gros, ouais, Atlas, j'ai l'impression que c'est le Arc qu'ils auraient aimé. Oh, ok, on peut pas démolir les trucs des joueurs. Il y a un éléphant niveau 3. Bon, on va regarder un peu level up, là. C'est quoi cette arbre de compétences bordélique, là, que vous m'avez foutu? Faut forcément prendre le truc basique en premier. C'est le plus important. Et après, il me reste qu'un point, donc on va faire la lance, hein, tout simplement. C'est vu tellement comme Arc. Oh, mais comment j'aurais insulté... Après, je l'ai, Arc, hein, je l'ai acheté, donc techniquement, je peux insulter les développeurs si je veux. Mais je crois que je l'ai payé tellement pas cher, Arc, quand il était une grosse promo. Ouais, c'est un peu dégueulasse, quoi, pour les joueurs qui ont payé archi cher Arc et tout, qui s'attendaient à avoir un résultat comme ça. Mais ouais, c'est vrai que des images qu'on m'a montrées, c'est sûr que Arc, Atlas, c'est des jeux quand tu évolues, quand il y a une ville qui est créée par les joueurs, quand il y a des joueurs RP et tout. C'est vrai que ça donne un truc stylé, ça, je peux pas dire le contraire. Mais quand t'es tout seul, sincèrement, bah y a pas grand chose. Hein. Y a pas grand chose, tu galères. Ce qu'on va essayer, c'est de trouver un silex. Ah putain de merde. Ça va. Putain, mais par contre, la vie, je perds rien du tout. Il y a tellement de créatures. Tu sais quoi, je te passe au-dessus parce que je m'en bats. Oula! Ah, attendez, je suis déshydraté. Est-ce que si je vais dans l'eau, je récupère de l'hydratation? Pas du tout. Parce que je sais que dans Arc, tu pouvais faire ça, je crois. Tu faisais que t'ailles dans l'eau et tu récupérais toute l'eau. D'accord, il faut qu'on trouve donc de l'eau. Mais... stop le rollback. Mais stop. Ah non, mais c'est exactement comme Arc. C'est complètement buggé du cube. Bon, après, c'est en early access, je peux comprendre. Mais vous avez quand même fait Arc, quoi. Oh, je suis pas sûr que c'est ça. Tout s'envole dans ce jeu. Vous avez fait Arc de base. Donc, techniquement, vous avez quand même... Oh, il y a un joueur. Techniquement, vous avez de l'expérience, quoi. Vous avez de l'expérience dans le codage et tout, quoi. Bonjour, c'est bien joli chez vous. Et j'ai pas du tout l'impression... En fait, la seule chose que je vois de Arc, c'est... des textures, des animations, même la chute... Mais arrêtez de sauter partout. Même la chute est pareil, donc il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas réellement de nouveauté, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais... Je sais pas ce qui est le pire, entre ce loup ou cet oiseau. Oh là là, je vous jure. Eh bah écoutez, moi j'ai vu le trailer, je suis en mode waouh, ça a l'air trop cool. Eh bah putain, c'est juste Arc, il y a rien d'intéressant. Ouais, bah écoutez, je crois qu'on va arrêter là. Pour les fans de Arc, pour les fans de Arc, vous allez vous y retrouver. Clairement, faut juste tout recommencer, faut juste être vraiment motivé à tout recommencer. Mais le truc que je trouve dégueulasse, c'est que Arc actuellement, il est pas si mal. Je veux dire, ils ont quand même pas mal bossé sur plein de trucs. Il est un peu mieux quand même. Alors comment vous avez fait pour améliorer Arc et ça qui est techniquement une sorte de Arc 2?
vous l'avez à ce point foiré. C'est trop content, j'étais en mode waouh, le trailer ça a l'air génial et tout, et regardez ce qu'on a quoi. Regardez ce qu'on a. Et ils ont fait Ark. Ils ont fait Ark, et malgré ça, ce jeu il est complètement foiré quoi. Bon après oui, c'est en early access, faut pas forcément juger sur ça, je sais. Mais actuellement, ben je suis beaucoup déçu, hein. Ça je vous le cache pas, je suis vraiment déçu. Écoutez, on va se laisser là. J'espère que cette petite découverte aura éclairci que vous voulez savoir du jeu, parce que c'est clairement une copie conforme de Ark. Il y a rien de plus, il y a rien de moins. C'est même pas mieux travaillé. Je trouve que Ark est déjà mieux. Donc, non. Clairement pas. Si vous voulez le jeu, bah achetez Ark et allez sur des serveurs RP piraterie, doit y en avoir. Parce que là, clairement, il n'y a rien. Il n'y a rien à en tirer. Écoutez, on va se laisser là. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous.